Ancien sénateur Guy Philippe Bay que sauté avec tout secteur. Ambassade américaine peur Guy Philippe. Secteur politique yo peur Guy Philippe. Yo font seul avec ambassade américaine. Ambassade américaine estime que conseil présidentiel qui là, c'est toute crème politique pays qui met tête ensemble qui travaille pour avenir pays a. Mais pays a peuple haïtien. Ambassadeur américain font déclaration la yon radio dans capitale pays d'Haïti. Il dit que effectivement pour sécurité ambassade américaine et personnel yo, eh ben justement, yo toujours communiqué avec gang yo pour yo joindre une trêve pour que yo protéger la vie eh ben personnel yo et protéger building yo qui c'est ambassade américaine. Moi prend temps pour m'entendre et me comprendre. Commandant que Philippe lui-même bon côté parle, il dit que problème nan li capable résoudre li la moins que 90 jours. En pile parler en pile fait dans pays a, en pile voye monter dit que oh Guy Philippe dans gang nécessaire c'est là. Guy Philippe dit que la paix pas gain prix. La paix pas gain prix. On pays qui ouvert vente li bay tout brigand sa yo, pays yon gen pou le payer prix et peuple ça tous les mêmes. La paye pour ça. Mais faut gen des décisions qui prend. Et mais Guy Philippe symbolise exactement solution. Guy Philippe c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade Yoel. Politicien Yoel. Nèg avec femme qui nan doit zoomer Yoel. Tout secteur Yoel. Et mais yo peur Guy Philippe. Mais c'est raison ça qui cause nous en catimini Ralph Youri Chevry en dedans pays d'Haïti remonter avec équipe Phantom 79 là encore dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que peuple choisi, chaque monde qui prêt pour prendre défense peuple, chaque monde qui ca changer situation peuple et la vie peuple là. Eh bien, Ralph Youri Chevry vini pour venir faire exécution. Monsieur dans pays là. Est-ce que c'est lui même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konian? Nous pas connaît. Peut-être que n'a demandé Gary Pepol Charles plus détails. Par contre, c'est la baye. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince, Youri Chevry vive de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, yon commando à l'assassiné commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face la boule 10 là. Des policiers nan ki révoqué dans la police, bandi, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécuritariel, en pile agent fantôme 69, talan complot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain. Li dit nous à clair. Et que problème gang nan, yo pas vle pour haïtien résoudre li. Période. L'homme grand homme. Moi prend sam. Pour m'attendre. Déclaration. Ambassadeur américain. Suite avec une question. Que Wendell Theodore pose. Je réfléchis en pile. Non seulement parler de lui. Hier. Mais hier soir. Je parle avec plusieurs amis. Pour analyser. Déclaration diplomate l'en faire. Entendez-le. Parce que nous devons connaître, nous avons parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Theodore. En entendant des déclarations, ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Entendez ça. Dans des réponses que ambassadeur en pralbay avec Wendell Theodore. Et puis, n'après que, si Guy Philippe pas gen raison 10 000 fois. N'après que, si barbecue kap mende dialogue n'a pas gen raison. Et n'après que, problème nous gen Haïti ya, si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'ap disparaître. En attendant.
En termes de négociation avec les gangs, non. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs. Et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais okay. Ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais mm-hmm. si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission qui est InfoBeto sorti, nous parlons de ça. Mais hier soir, moi parle avec deux amis en Haïti, et parle avec deux amis qui à l'étranger, m'a besoin d'y qui paye. Sous même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours y a des monde qui relènent pour faire débat ensemble avec nous. Et bien, on titan. Moi comprends un pile bagay. Problème gang Haïtia, si c'est pas révolution qui peut triompher, li va la pour demain. Ambassadeur là, déclaration que le fait, en pile monde, juge le mal. Mais au moins, m'pas prendre mal non, comme ça que m'pas prendre mal. Parce que nous toujours essayer dit ça mon nan. Alors prend ça mon nan dit qui bon an, et moi même pour que moi résoudre problème moi ensemble avec elle moi comprendre vrai et que système nan pas veut les problèmes gang nan résoudre mais gon frange dans communauté internationale là qui pas veut nous résoudre problème gang nan pour tout bon. Nous tendez ambassadeur a dit pour protéger bâtiment ambassade américaine, non? Yo parle avec gang qui nan area, qui nan zone, non? Pour sécurité ambassade, là. Et pour sécurité personnelle, yo même, employé, yo parle avec gang, yo. Mais yo reconnaît que c'est des criminels qui yo yé. Là, me comprenne un peu le bagay. M'di, ok. Et puis moi, là, Guy Philippe t'a parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la paix dans le pays. Et mettez un pile blanc qui te prend ça, Guy Philippe dit mal, ou oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh! En de pays nous, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans nos régions. En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé moun, il y a boucané haïtien, il y a gris haïtien, il y a fond nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu à nous. Et puis, pour nous même, nous pas qu'à mettre tête nous ensemble pour dire nos solutions. Là, on parle de force multinationale, l'autre a d'autant de yodou, Belize voye 2, Jamaïque voye 6, Intel voye 18, l'autre la voye 100, l'autre la voye 150, comme si, pendant que nous même, nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là. Effectif que vous voyez, il n'y a pas même rivé dans la quantité militaire qui nous est là. Et puis, nous avons parlé de force multinationale. Nous passons dans le caca qui a passé nous. Écoutez. Blanc, c'est moun même j'avais nous. Yeah. Si nous ne considérons pas tout comme monde comme haïtien, blanc prend nos bêtes. Et monsieur que politicien haïtien fait étranger prend haïtien pour bête. Yo dit aussi peuple qui pi résistant effectivement ou résistant parce qu'on prend Youssouf Fatra ou résistant parce qu'on accepte politicien rentrer dans l'état, l'a distribuer zam, l'a comme si l'a fait kidnapper monde
l'ap touye moun, pa gen moun ki fè rien ou pa fè rien, ça veut dire que ou symboliser résistance? Non, ou pon peuple ki résistant. Si gon peuple ki résistant, li le peuple américain. Le gon baga kap travesel, yo pren les armes, yo défend pays yo. Ou pon peuple ki résistant. Résistance la logo ba kap travesel ou fait en devoir. N'importe qui gens. Ou pon peuple ki résistant, ou vin un peuple ki sans honte, ki bouche néon, ki boit de l'eau sentiant parce qu'on pas moun. Mais si nous te moun, que des saloperies en vérité mon Dieu, nous pas capable tolérer en dedans pays là parce que c'est malhonnête. Et là, m'tan de déclaration et ambassadeur américain, n'a pas fait de vieux commentaires non, sauf que c'est le même journaliste a posé mes questions, est-ce qu'on pensait que l'État haïtien capable de nous entendre pour jouer nos trêves, capable de rentrer dans le dialogue pour jouer nos trêves, pour jouer la paix en dedans pays là. Même ambassadeur ça a dit non, beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas pour tête ouvrir n'importe qui, Jean. Mais prends temps, prends ça, on réfléchit. Dis-nous ça qu'on a besoin. Et puis, d'après, chercher le poté pour vous. Mais nous ne pouvons pas quitter pour tête ouvrir pour ne pas crever. On va nous reprendre la question. Et puis, on va comprendre côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociations avec les gangs, non. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors, de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans leur région. Alors, c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur dire, pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors, pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Mmh. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non.
Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérange? Il y a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on nous quitte question sur MSS, là, parce que pour moi c'est fatra, nous pas bien parler de ça. Écoutez. Depuis l'homme qui a l'esprit, parce que pas oublier, police ça, il prend naissance peut-être que m'était à peine fait en 1994, ça veut dire que me grandi avec police ça. Mais depuis l'homme qui a l'esprit, toujours dans nos bagages. Le Canada a supporté pour que a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police ça? De jour en jour qui vient plus faible, de jour en jour qui vient plus mal, de jour en jour qui pas capable rien comme résultat. Comment aider la police là? Gon problème là. Gon vérité que nous reconnaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il y a une limite. Faut nous connaître que, je dis, haïtiens qui vivent en Haïti, c'est monde qui américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Faut nous connaître que, haïtiens qui vivent en Haïti, c'est monde même avec Dominicains qui vivent en Dominicani, que les Américains, gouvernement américain, a supporté ta commune. Faut nous connaître que, haïtiens qui vivent en Haïti, qui souffrent, qui a respiré, c'est moun yo, tant que tout le monde qui vit sur la terre. Mais dans ce sens, un peuple qui nous souffrance, nous disons sous pareil. Je ne sais pas que, un pays qui a une ambassade dans le pays, à travers l'ambassade, il contrôle tout ce qui a passé dans le pays, et puis il décide pour que, il continue de collaborer avant pendant que le peuple a péri, le peuple a détruit. Est-ce que nous avons quitté le continuer? C'est des questions à poser pour qui ça c'est politique ça que les États-Unis d'Amérique décident de faire avec Haïti. Et là, le pas bon pour eux. Publiquement, ils expriment. Ils expriment ça pas bon pour eux. René Garcia Préval, t'es fait une élection. Qui était Jude Celeste, qui était là-dedans. Milan Hippolyte Maniga, comme deux mouns qui parlent dans le deuxième tour. Là, maintenant, nous sommes en 2010. 2010-2011. Yo fait qu'on est qui gon représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti qui prend machine et le monte la boule 12. Là, le la caille président Préval. Là. Les jeunes Préval a mangé yon ti maï moulin. Ok, blanc ou bien à faire, il m'a connu. Le Préval pensait que ambassadeur l'en vini pour que le vin félicite le pour candidat l'an. Et mais qui devant l'élection, et mais c'est imposé représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, vient imposer Préval, choix payo, et que exige pour changer résultat, élection, yon peuple saute participer. Mes amis, c'est extrêmement grave. Et ça, yon mène Haïti là. Oui, yon mène Haïti là. Mais nous faisons parler. Est-ce que de vous parler ça, la vie menacée? Ah ben oui, la vie m'est menacée parce que nous sommes moun. De vous vivre sous la terre, pas qui kote yo ou à l'abri. Moun, tenez, Haïtien qui était en Haïti lundi soir, comme Simdadjo. Et 11 janvier 2010, yo, yo pas de penser que dans la journée, comme Simdadjo, mardi 12 janvier 2010, yo pas de penser vers 4h, près 5h de l'après-midi, qu'aucune chaîne tremblement de terre n'a pas passé, dans quelques secondes, nous avons perdu plus de 300 000 Haïtiens. Pas de monde qui te pense ça. 14 août 2021, pas de monde qui te pense que Grand Sud n'a pas frappé
pas un tremblement de terre qui t'a mal fait nous perdre en pile haïtien. Donc, un citoyen conséquent, un combattant qui c'est Jean-Gabriel Fortuné. De fait, la vie, c'est ça. Ou à vivre, ou par contre, qui l'on pral mourir. Mais de fait, faut qu'on fasse ce qu'on peut faire comme moun dans la vie. Ou. Et bien, nous avons mis quoi ça pour nous parler pour Haïti? Faut une vérité. Américain, si vous avez mal marché aux États-Unis, la première quoi, la dénonce. Ou bien, le prend la rue, il dénonce. Politique américaine, dans quelques jours pour que l'élection fête jeudi, ou après que tout le monde qui a mis quoi a fait débat. Il a analysé, ça a positionné, dans l'intérêt les États-Unis d'Amérique. Pas qu'il y a un crasé pays au profit de l'autre pays. Mais Haïti, pour qui ça nous gagne des criminels qui a crasé Haïti pour faire ambassade plaisir. Là, nous avons un problème. Je suis désolé. Moi, content pour me dire bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui vous êtes, qui vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme Pano, qui est la plateforme YouTube, Info, Bertoa, et la plateforme Mampemba, la plateforme qui pape Chahelan, la plateforme Kapdil Janier, la plateforme qui croit dans la vérité, la plateforme qui croit, c'est à travers le combat que nous avons mené là et que nous sommes capables de joindre Haïti qui nous besoin. Plateforme YouTube, Info, Bertoa. M'a dit nous, partagez, commentez, like, et puis, abonnez, sinon pourquoi abonnez. Partagez, commentez, like, et puis, abonnez, si que nous pourquoi abonné. Moi content pour m'ensemble avec nous pour une autre émission. Nous pral parler parole pays. Nous pral parler parole changement. Nous pral parler vérité. Nous pral dire ça bagalaye. N'a continué poser question et n'a continué analyser. N'a continué commenter ensemble avec vous. Situation nous gain là, li compliqué. Mais de fait, c'est nous seuls qui pour mettre tête nous ensemble avec un leader que nous fait confiance qui relait Guy Philippe pour que nous changer condition de vie peuple ça. Quittez-moi courir font coup de tête dans pays voisin. Dans pays voisin bagayo plus compliqué de jour en jour pour Haïtiens. Nous recevons plainte en pile compatriotes haïtiens, effectivement, qui trouvent yo en Dominicanie. Et m'a regardé quand c'était moun qui a fait nous demande. Moun qui grand goût, m'a dit en créole. Moun qui grand goût a touye yo. En Dominicanie. Moun ki an dan kay ki pa ka pran la rue. Moun ki pa ka vive. N'ap kouri sou plusieurs semaines là depuis que n'ap supporté nan niveau que nous capable avec support que la grande famille Foberto partage ensemble avec nous. Nous pa ka répondre avec tout besoin yo parce que l'état haïtien pa accompagner moun sa yo nan rien, l'état oublié yo. Madame Dominique fait intervention internationale là pour que la communauté internationale pose question avec Luis Abinadel ou bien le gouvernement dominicain. Mais le gouvernement haïtien n'a pas posé action concrète pour accompagner Mounsayo qui a mouru en Dominicanie. Consul haïtien qui est dans Santo Domingo, qui est Dahabong, qui est Balaona, qui est trouvé dans Santiago de los Caballeros, qui est trouvé dans Higüey, n'a pas accompagné peuple haïtien. Yo pa konnen douleur compatriotes haïtiens yo k'ap vive en Dominicanie k'ap mouri jodi an ba kout zam immigration an ba kout manchette dominicain ki ap maltraité nan n'importe ki condition en Dominicanie. Mwen tande et puis mwen comprenn
Le map gade quantité jeune garçon, nous gagnons cap travail dans mauvaises conditions en République Dominicaine. Me dit monsieur, quatre gens pays m'tap belle. Quatre gens si nous t'en gon pays qui était stable. Si nous t'en gon des monde qui t'ap investi. Quatre forces de travail que nous t'ap gagné disponible non. Quatre quantité jeune garçon nous t'ap gagné qui t'ap travail la caillo, qui t'ap fait comme la caillo, qui t'ap construit pays yo. Qui t'a vivre bien la caillou avec famille yo, avec dignité, ou bien la dignité. Bagay la grave. Et c'est extrêmement grave. M'ap salue Valmont depuis Santo Domingo, frem. Belmont, comment tout a? Salut tous les amis que nous gagnons, qui vivent une situation difficile ça en Dominicani. Il y a Dominique qui dit que après dictateur Lionel Trujillo qui t'a fait massacre 1937 dans son haïtien, il dit c'est premier Dominicain qui a gagné comme président qui raille haïtien dans niveau ça. Dominique, il me dit qu'il dit ça. Il est Luis Abinadel. Mais on dit rien ça monsieur la comme si son bagage la planté dans tête Dominique yo. Son bagage cap rété. Mais on décidé exercer le même soit haïtien cap travail dans construction pour dominicain, cap travail dans jardin, cap couper canne pour dominicain qui dans chambre nan yo. Kap plante patate, kap plante manioc, et kap travaille dans poulaille yo, ok, kap travaille dans pack cochon yo, kap travaille dans pack bœuf yo, dans pack cabrit yo, c'est haïtien ça qui plus subi en Dominicani, pendant que c'est eux même qui aide la Dominicani plus. Moi comprendre en pile bagay. Gagné yon magistrat nan Darabon ki bay 5 jours avec haïtien pou yo kite district ki l'ap dirije a. Mbe kwa nou sou 4e jour pou le moment. Ap di haïtien rete 2 mois si Dieu veut seulement. Eh ben magistrat di ki si haïtien yo pa kite dans délai que li bayo an, c'est peuple dominicain que l'a utilisé pour mettre au dehors dans caillou. Et parole là. Et c'est là pral gagner un véritable massacre encore. Il dit c'est peuple dominicain que le pral utiliser pour que li mette haïti ça au dehors si ou pas veut quitter territoire dominicain. Et mes déclarations monsieur Feya, li bay monsieur une popularité en Dominicanie. Pabliye, tout nèg kap fè politique dominicani, gon seul cheval de bataille, ou bien gon seul discours, lutte bataille contre haïtien, di vie propos à l'égard de nous-mêmes comme haïtien en Dominicani. Sa bali on populé, on couverti politique, sa bali on retombe politique, si le député, si le sénateur, li ka candidat au Sénat, alors à la présidence, si le député, li pral candidat au Sénat, si le magistrat, li pral candidat pour député. Et ou après le député, parce que ou ap konnen que, je dis à Dominique qui va vle haïtien, de jour en jour, chiffre la pour augmenter. Et si Dominique en kap leve kounia, li tout leve raï haïtien, l'el à l'âge de voter, li tout leve raï haïtien. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, je dis, condition la vie haïtien en Dominicani, son bagay catastrophique. Son bagay extrêmement grave, et que nous doué, gérer. Mais ça cause haïtien ou allant dominicani comme ça. Et c'est question ça pour tout le monde poser. C'est raison insécurité qui cause haïtien vide en dominicani dans condition pareil. Pas de gain tout haïtien en dominicani. Avant 2020. Non, pas de gain. 2014, pas de gain tout haïtien en dominicani. 2016, pas de gain tout haïtien ça. Même si tu as une manifestation
Mais n'est-ce pas position politique pour arriver dans le niveau pour mettre kidnapping dans le pays comme ça? Haïti, c'est comme marché. Moi-même, pas qu'on a la manifestation. Bah, j'aime qu'on ait manifestation, à le manifester, m'pas qu'on ait ça ou même, parce qu'on est gardé homme, m'pas qu'on ait ça ou du tout. M'vive, en tension, dans Port-au-Prince, c'était 6-7 juillet 2018. M'a demandé mon Dieu pour m'jamais vivre comme ça encore. M'vive haïtien qui a manifesté, dans Delma, y'a tout yon policier, y'a tout mettre du feu sous dans les médias. Vive ça. Yeah. Mouvement cannibale. Ça que me dit nous, l'or étranger a dit nous cannibale là, nous cannibale, oui. Nous posez des actes criminels, trop. Et mouvement cannibale. Ou policier qui retire les amis fouillant de cansol et travaille à chercher route pour que les jeunes possibilités pour la lacali, les autres travaillent à Pétionville. Et puis ou aide nèg prend. Yo tout yon la miton foule, et puis ou met du feu sous lit, foule la aide nèg yo met du feu sous lit. Ça, si nèg opposition politique qui était responsable, il était derrière elle, eh bien, il a exercé violence dans le pays, mais qui mène nous là aujourd'hui, de 2018 à 2024, mais côté qui nous y est. Ok, mais qui côté qui nous y est. Je dis à nous, capital qui ceinturé avec gang. Nous avons capital qui ceinturé avec gang. Ambassade américaine là, ambassade d'Espagne, ambassade Canada, ambassade de France, ambassade, majorité gros ambassade yo là. Ambassade américaine qui gen pi gros ambassade li dans le monde lancé en Haïti lié, deuxième pi gros ambassade li. Yo décidé pour communiquer avec gang yo pour protéger. Ambassade yo, yo décide pour communiquer avec gang yo pour protéger la vie personnelle yo que m'd'accord. Mais kousse haïtien qui décide parler avec gang non, ou dit m'kousse kou pral sanctionner haïtien ça, sa, là gon problème. Kou sanctionnel. Ah oui, sou dit m'kousse que Guy Philippe dit que li pral mette sécurité dans mosquée 90 jours, nous peur Guy Philippe parce que nous connaît Guy Philippe pral créer vraie stratégie pour bay solution. Et ben nous prêt pour attaquer. Mais de fait, nous prouvons que le problème non. Il n'y a pas de problème gang pour tout le monde. Ah, il est là, oui. Il est là. Ça veut dire que les Américains ont le droit pour le protéger personnel. Li. La vie américaine. Là. Et puis, les Haïtiens n'ont pas le droit pour que les prennent des décisions pour le protéger. Les Haïtiens par eux. Non. Là, messieurs, dames, et si nous n'avons pas un pays souverain encore, faut nous dire pas un pays souverain. Mais si nous sommes pays souverain, faut connaître que nous devons faire. En entendant, ambassadeur, en entendant toute déclaration pour nous connaître. Entendez bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, j'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors, de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans leur région.
Alors, c'est de confirmer les intentions de gang, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur dire, pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors, pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas contrôle de nos journalistes. Mmh. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Mm-hmm. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que, à l'époque, présidente Leblanc, en nom de TPC, CPT, a fait du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps, pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS. C'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gains. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous... Et question, je comprends une question, mais Wendell, journaliste, je suis capable de dire non, ambassadeur, la possibilité pour le répondre, pour tout sortir de tête, qu'on n'y a pas qu'à venir cerner, effectivement, et réponse que M. Baye, ou il a dit que ça, qu'il a posé une question à des volets, bon, peut-être professionnel, ou qu'à ça, mais techniquement, je pense que, ou qu'on pour qui ils ont fait, ou il a dit que, mais pour qui ils ont posé une question, mais
et partie ça va prendre moins, deuxième partie va prendre moins. Est-ce que vous pensez que et l'État ici bientôt et autorité pays d'Haïti sont capables de rentrer dans une négociation et avec les gangs pour joindre une trêve et de paix? Et puis par la suite, est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable, et après dialogue là, est-ce que l'État capable d'intégrer gang yo dans le système et politique pays ou du moins dans la société? Ça, et M. Abge, possibilité pour te bailler des réponses. En autant de questions encore, parce que c'est important. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, Voilà. Comme l'y mentionné, en termes de négociation, non. On y a là, faut que monsieur ta dit comme ça que, qui ça fait pas qu'à négocier avec yo, et puis ou même, ou qu'à relayer yo, pour négocier avec yo, pour que ou sécurise l'ambassade. Et c'est ça la question. Les amis, ils aiment comprendre ça, non? Son pays, c'est pour un pays, n'a pas parlé. Nous pas parlé pour un lac ou, pour un savane, mais c'est pour son pays. Yon ambassadeur, yon diplomate, parce que là, question ça, l'intéressant. Monsieur répond clair. Monsieur dit en termes de négociation, non. Qu'on y a qui doit ou pour dire que l'État pas maintenant pas qu'à négocier avec gang. Qui doit ou? Ça qu'il faut nous gong, Guy Philippe, mon cher. Guy Philippe pas prendre l'autre dans mes malpropres, mon cher. Bah, comme ça, mon cher. Elle est fou. Bah, il faut d'accord, Guy Philippe. Attends, moi, même ta autorité en Haïti pour ambassadeur comme Simdadjo. Ou, non, ou absolu de quitter pays. Ou quitter pays sans avis. Ou quitter pays, mon cher. Ou paye m'gain. Ou pas qu'à venir bombarder. M'ba dans la guerre ensemble avant, sauf que m'a estimé qu'on pas qu'à pays, on foutu de dans pays, attends, cher. Yeah, ou pas qu'à pays. Non, ouais, si États-Unis connaît que les gens propres, la calle, ils voient mon propre. Même j'en voyais mon propre, c'est le maintenant, la voyait mon propre. Même pas quitter n'importe fatra, vine là, vine penser qu'il y a dicté nous ça pour nous faire. Non. Si ça nous suspend le peuple, ou bien nous pas mon encore. C'est pas possible. Non, comme si, il n'y a pas qu'à tolérer, il n'y a pas qu'à accepter, ou pas doué accepter comme monde. Son pays, c'est pour un pays n'a pas parlé. Et interview, monsieur, extrêmement intéressant, parce que pour nous t'entendre. C'est comme inviter nous, tendre dans toute égalité, lui, quitte un commentaire. Ah ouais? Quitte un commentaire. Parce que je me saisis moi-même. Plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré un cessez-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit... Oui, d'accord, parti ça. Action gang n'a pas prouvé que c'est des gens qui envie de tourner dans la société, parce que c'est des terroristes tout puissants qui ont pas montré que comme si ça a fait, on voulait tourner la donne, comme si on bagaille qui décide, qui n'a eu, qui développe dans eux-mêmes, c'est mal là pour continuer faire mal net, avec des êtres humains, même j'avais, qui est encore haïtien. Ça veut dire que, ça m'd'accord entièrement avec l'ambassadeur dans la réponse ça. Et, monsieur, pas moun, et m'pense que, moi-même, ça qui fait n'a parlé comme ça toujours, ou bien tout n'a pas essayé, et ouel j'en apprel là, c'est parce que tout simplement, pas gen l'État. Ah ouais, pas gen l'État. Parce que c'est de gen l'État. M'dap mette Jean-Ernest Muscadet, ministre intérieur. C'est de gen l'État. M'dap mette Maître Luc Mandelil, ministre justice. Si de gen peuple, alors c'est de gen peuple. M'dap mette Guy Philippe, président. Si de gen peuple, c'est de gen peuple. Mon cher, ou pas besoin de dire ton nom. N'dap mette Stanley Lika, premier ministre. N'dap mette Stanley Lika, premier ministre. Et puis, comme ministre Affaires étrangères et actuellement là, montrer que li envie font travail. N'dap montrer li non gouvernement qui gagne légitimité. Un gouvernement que monde l'an pral respecter. Et puis, n'dap quitte le comme ministre Affaires étrangères. N'dap fait le travail pour tout bon kounya. N'dap font travail. N'dap font pas gagne limite. N'dap montre au cap réaction pour payer ou. Et m'dapre sous patriote complètement. Ça veut dire que Dominique Dupuy t'a prêté comme ministre des Affaires étrangères. M'dapre sous des connivences avec étrangers pour tout bon. M'dapre ça.
sou envie bay payon bagay, n'ta fò bay li. N'ta fò bay pays aller, et 50 dollars, fò bay pays aller ou prouvel. Ou prouve qu'on son haïtienne conséquent, vous comprenez? N'ta fò bay 50 dollars. Il est important. Et pou n'aide le bay li. OK? Il est important pou n'aide le bay li. Je pense que et Dominique Dupuis et nous doué supporter madame nan pour que li capable faire ça gen pour le faire et ben justement et en dans pays mais le gouvernement ça li difficile pour bay résultat et intervention ambassadeur a m'tande le moins comprendre ni et puis me dit OK pas de problème et ça pour nous faire c'est nous pour faire Haïti c'est un état souverain et ben nous doué et connaît que nous devons prendre engagement nous faut que nous prenions engagement nous et nous devons prendre engagement dans moment ça on avance dans l'autre chapitre un chapitre qui est extrêmement important bataille pour libérer pays ça il y a pile monde qui wel yon façon tout ça qu'a parlé sur terrain là c'est inquiétude qui gagne pour le système nan avec ancien sénateur Guy Philippe. Toute panique, c'est que le système nan peur Guy Philippe. Système nan peur Guy Philippe. Je veux que chaque monde comprenne ça. Système n'a pas Guy Philippe. Dans le système n'a pas Guy Philippe, qui ça a décidé de faire eux-mêmes? Ils décidé pour mettre commando à veiller Guy Philippe. Pour éliminer Guy Philippe. Ils sont prêts pour faire ça. Et nous-mêmes qui sommes haïtiens conséquents, qui connaissent que Guy Philippe, qu'on travaille qu'il a fait pour nous et c'est grand leader qui nous gagne et m'a dit peuple là ça ou bien m'a rappelé ça n'a bataille contre un système qui gagne plus passé 30 années d'existence qui établi là avec violence là et au train Haïti là pendant 39 années mais dit 38 années système n'a gagne racine ni. Bien fort. Yo gan pile l'argent. Nan men yo. Pour bataille contre système ça, yo gan pile bagay pour faire. OK? Pour bataille contre système ça, yo gan pile bagay pour faire. C'est accompagner Guy Philippe, pas peur, pas garder derrière, pas peur, pas crainte, et puis avancer à Delante. Pas peur en rien. Avancer pour faire tout ça qu'on capable pour que ou baille payer ou ça pour balayer. Moi, je viens de comprendre un pile bagay. Et dans le mouvement que le commandant Guy Philippe déclenche dans le pays, que un pile haïtien n'a pas vraiment de patience pour prendre temps pour comprendre le mouvement, accompagner le mouvement. Parce qu'un pile haïtien pensait que faut que Guy Philippe te prenne la rue, lui-même personnellement, pour le talbay au touye, après ça, pour dire que Guy Philippe a bataille. Non. Et bien ça, faut là. Le Guy Philippe peut être dans la rue, n'est-ce qu'il prend le fusil. Qui a sans copie de vous pour le critiquer, c'est vous-même. Nous pouvons dire que ou il pas de responsable, tel bagay, c'est ça nous toujours dit. OK? Et ça nous toujours dit. Et 7 février, il manque qui était Paul. Il manque qui était Paul, jeudi, c'est même, et ça n'a pas dit de président Jovenel Moïse, là, que nous avons dit pour lui. Nous avons dit que M. Pratt sécurisé tête li, M. Pratt Dubaï moun responsable sécurité, tel bagay, mon Dieu fait, li pa mouri. Et bien, c'est lui qui vient de nous. Il était fait une grave erreur, un bel talbay moun, responsable sécurité. Avant qu'il n'allait dans Guy Philippe, il y a un représentant de la famille Lavalas là, qui était assoiffé de pouvoir, qui prend tête CPTA pour le moment,
Et monsieur, adressé avec Nation hier. Bon, n'importe qui, Jean, faut nous passer. N'a passé l'entendel, et puis nous allons tomber dans le chapitre qui nous commence par l'ensemble, voilà, qui c'est peur que Guy Philippe fait peur avec conseiller de l'ambassade et groupe politique, classe politique là, et n'est qui dans le secteur privé des affaires là. Mais pas oublier, bataille a délivré quand même, parce que n'importe qui, Jean, n'a pas pris Guy Philippe là. Ou pas prendre Guy Philippe là, ça, là, n'a pas gonflé pour être nous avec l'équipe nous, n'a pas choisi candidat nous, cap toujours, et toutes les idées nous là-dedans, nous prenons prendre dans l'élection, et ou pas gagner une élection. Même si tu as coquin ou coquin, nous pas gagner l'élection. Avec chiffre qui n'a pas passé, nous pas gagner l'élection. On a entendu Leslie Voltaire qui s'est dit dans la conférence de presse ou bien tout le monde a descendu la nation. Bon, monsieur, c'était tel. Monsieur, qu'elle a avant de mourir, il était rêvé pour le président. Monsieur, fou pour le président. On a entendu, monsieur, dans la descendu la nation. Famille Lavalas. Peuple haïtien, mes chers compatriotes, il y a environ 6 mois, Tichine, le Conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion, de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous. C'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024. Aujourd'hui, 25 octobre, cela fait exactement 6 mois, comme le demande le décret du 23 mai 2024 et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Me voici devant vous, entouré de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous, par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays, nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les 9 conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la banque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement avec pour cadre de référence les lois de la République et les 5 grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les 5 grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfecit, puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore, à travers ses 10 fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance. Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de transition a mené des consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition. Les 9 conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés.
L'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence, d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition. C'est ainsi qu'un groupe hétérogène, représentant différentes sensibilités politiques du pays, se trouve depuis plus de 4 mois à la direction des ministères. Nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile. Nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion, plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population. Il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir. Nous devons agir bien et agir vite. Il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue, en consultation avec le Premier ministre, les ministres, tous les secteurs vitaux du pays, tous les partis, particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril, pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé, comment les corriger et quand les corriger. Nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité. Comment faire plus avec moins? L'État a très peu de ressources. Il faut donc être rationnel dans leur utilisation. C'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des 2 budgets déjà adoptés pendant cette période de transition. Je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer. Nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'État, toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de vos taxes. Nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés, d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères. C'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais le Centre national des équipements qui était rattaché au ministère des Travaux publics, Transports et Communications et de transférer ses matériels et équipements aux forces armées d'Haïti. D'autres décisions similaires sont à l'étude. L'État a très peu de moyens, il doit rationaliser leurs utilisations. Le Conseil présidentiel de transition, dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril, procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité. Sécurité. Le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition. Et d'ailleurs, c'est là que la population attend de nous des résultats probants. En ce sens, nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des forces armées d'Haïti, même si nous sommes encore loin, vraiment loin des objectifs en matière de sécurité. Ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui terrorisent des populations innocentes dans divers points du territoire. C'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés. Bien entendu, cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif. Un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils. Cependant, l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leurs soutiens et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. On a continué à avancer sous terrorisme, sous décision qui prennent à l'État. Dans le moment où on n'a pas l'air, nous pas qu'on satisfait. La police là doit avoir un plus bon résultat. Pour être satisfait. Tout le monde suspend courir qui était caillé. Nous continuons à faire l'argent. Citoyennes et citoyens tournent circuler dans le pays sans problème. On vole. Pour nous arriver dans le résultat nous besoin, il faut que personne dans l'État ne cherche à politiser la force police là. Comme la police là, tu dois travailler en principe avec professionnalisme. Nous travaillons pour la force l'audio renforcer puis plus. C'est comme ça que je m'informe le pays. Je fais que ce soit écrit secrétaire général des Nations Unies.
pour demander le Conseil de sécurité à changer mission appui à sécurité à la mission maintien la paix. C'est une façon pour force l'audio qu'a joindre plus bon support bon côté zanmi nou yo dans communauté internationale. L'état d'urgence qui était déclaré jour 8 mai a toujours kembe. Si situation mandé pour les renforcer, nous pas hésiter faire ça. N'a travaille tout pour mettre campé Conseil national de sécurité à Jean-Jacques 3 avril la mandé ça. Pour ça qui concerne la médaille d'Haïti. C'est un gros pilier dans le système de sécurité pays. Soldats la méo, bah, coup de main dans quoi paix sécurité qui jodi à ces plus gros malheurs pays. Mais la mer a besoin de, pour le grandir toujours. Pour ça, conseil présidentiel là, il veut mettre un autre général dans tête la mer. Nous t'ai tout profité faire un passé main dans l'état-major. Quoi, pour renforcer plus. Objectif là, c'est pendant la période de transition, permettre un total 2500 jeunes, filles et jeunes garçons, une ajoutée sous effectif la MESA. Ça m'a dit pour nous faire dépenses dans l'infrastructure, dans la caserne, dans le centre de formation. Pendant le jour, ça y est, le conseil présidentiel travaille sur toute nécessité qui vient là. Mais tout, faut que les gens qui sont dans la MESA connaissent, ils ne peuvent pas tourner faire erreur de temps en temps. La MESA est une institution qui est là pour défendre ce territoire. C'est un gros honte pour tout corps, une grosse déception pour le pays qui a espoir dans le corps. Les politiciens veulent faire le tourner, ils ont âme pour satisfaire ambition paille. Ça que nous écraser là, la valeur senti. Patriote moi yo. D'accord, bon. Pendant moi qui saute so passer là yo, conseil présidentiel là travaille en pile sur dossier pouvoir judiciaire. Pays nous rêver à pas qu'a fait sans une justice jam. Si nous voulons qu'à violence, faut que justice la renforcer. Faut que tribunal yo fonctionne. Faut que juge yo fait travail yo avec conscience. Sans passe pour qui? Conseil présidentiel là, depuis l'y installé, il prend décision pour justice l'arrêter indépendant. Pendant moi qui suis là, pas un juge, ni officier judiciaire, qui a dit qu'il recevait une question avec menace de côté pouvoir. Nous voulons pour ça continuer, nous avons en pile pour ça. Avec recommandation Conseil pouvoir judiciaire, Conseil présidentiel là prend le bail commission pour 84 magistrats pour divers tribunaux dans le pays. Gagnant, c'est mandat yo qui renouvelé. Mais l'autre, c'est promotion yo joine. Donc, moi, dis-nous, ça fait après vérification. Après vetting. Tous ces juges qui étaient dans le passé, sans problème, étape certification yo. Nous féliciter yo pendant qu'on a demandé yo qu'un dignité caractère yo. Continuer de travailler sans faire passe pour qui. Justice là doit être indépendant. Mais tout, pour tout citoyen qui besoin de justice là, qui a joué une justice sans casser tête. Ça y est, l'accès à la justice là, c'est un droit grand d'être majeur, tout le monde gagne. C'est pas possible pour le monde passer en pile l'année dans la prison, sans lui pas une chance de passer devant le juge. C'est pas possible pour un monde obligé de quitter zone la caille, dépenser en pile l'argent, juste pour arriver côté un juge. C'est pour ça, conseil présidentiel de transition, et prend gros décision d'ouvrir 5 nouveaux tribunaux dans l'arrondissement qui pas trop gagné. M'a cité tribunal première instance dans l'Imbé, tribunal première instance dans Ville-Ouanamet, tribunal première instance dans Jean Rabel, tribunal première instance dans Belade. Citoyens sous île Lagonave, pas besoin Jean Belamer pour venir régler les affaires justice. Ville Ansagalais, il y a tribunal première instance pas tout. M'a pas annoncé nous. Jean ça prévoit dans l'accord 3 avril là. Conseil présidentiel là, il y a mettre sous pied commission qui pourra organiser réforme système pénal pays. Haïti, c'est côté système pénal là, a fonctionné avec loi qui plus ancien. Monde là évolué. Société yo a évolué. Faut que justice là évolue tout. Nous remercions les citoyens. Chaque monde qui vient pour changer le nom crasé. Commission qui a responsabilité. Et puis n'a dit n'a pas changer. Recommandation pour justice là améliorer. Moun nous t'ai choisi yo. C'est monde qui a un pile compétence. Yo gen temps à travailler sur un pile projet décret. Avant longtemps, conseil ministre pour quelqu'un pour pencher sur projet décret ça. Ça fait presque un mois depuis nous prend arrêté pour mettre campé commission vérité, justice et réparation. C'est sept monde qui fait réputation eux dans défense droit monde. Yo gen responsabilité pour aider faire lumière sur un pile massacre, quoi assassinat. Kidnapping avec l'autre acte malhonnête et criminel, moun sans foi ni loi, yo fait.
faut que lumière faite pour justice kabaye. C'est un élément important pour la paix et la réconciliation qu'a faite tout côté dans le pays. Élection. Transition en doit réussir. Vle par vle, faut que 7 février 2026, Jean sa prévoit dans l'accord politique 3 avril là, avec Jean décret 23 mai 2024 la mandel. Yon président qui sorti, yon présidente qui sorti dans l'élection, doit prendre place dans tête pays. Pouvoir législatif là doit recommencer fonctionner. Commune nou yo, section communale yo, c'est moun qui sorti dans l'élection qui prend tête yo. Ça mandé pour disposition prend pour élection réalisée pendant l'année 2025. Comme ça, semaine qui s'est passée à, nous y avons installé même conseil électoral provisoire. Kèp la rive campé. C'est un gros bagage. N'ap travay pour li fin complété, mais ça pas qu'à empêcher 7 moun qui la yo commencer travail. Pas gen perdi temps. Yo doit commencer travail pressé pour mettre machine électorale à campé. Gouvernement travaille pour kèp la rive joindre moyen pour lui fonctionner. Nous t'a souhaité que dans un temps qui pas en pile qu'il la voyer par conseil ministériel un projet de décret électoral. Dans conseil présidentiel transition, on travaille tout pour lancer conférence nationale là pendant comité pilotage là avancer avec réforme constitution. Transparence. Pendant n'a conseil soumettre qu'il la camper, n'a avancer avec quelques autres institutions qui prévoient décret 23 mai avec accord 3 avril. Ça va prendre un pile temps pour mettre campé organes qui contrôlent action gouvernement, qui aurait les OCAG. Nous avons des marches pour choisir les gens qui pour entrer dans l'institution ça, qui a importance li dans le GFO n'a fait pour l'État central là travaille chaque jour plus dans la transparence. Poser transparence là, c'est une priorité pour le conseil présidentiel transition. Il y a une institution qui a une grosse responsabilité pour contrôler comment l'argent l'État a dépensé, c'est la Cour des comptes. Mandat, même la Cour des comptes, yo, t'es arrivé dans le bout, depuis avant le conseil présidentiel là, t'es installé, pendant que y'a pas qu'on moyen pour nommer l'autre membre. Qui t'es pour ça, yo, vide, capable de coûter pays à en pile. Comme ça, y'a une première décision conseil présidentiel là, t'es prend, c'est permettre de prolonger le mandat, même ça, yo, en attendant institution qui vient pour faire ça, mettez sous pied. C'est comme ça, tout, nous t'es prend décision pour prolonger le mandat commission, qui pour contrôler comment l'État a acheté. Ça qui est les marchés publics dans le département nord et dans le département sud pays. On a profité de toute institution qui pour combattre la corruption. Pour faire public la ouais clair dans façon l'État a prendre décision. Dans façon l'argent l'État a dépensé. On a dit au fait travailler à conscience, dans respect la loi et à prendre pays en pile service. Diplomatie. Dans jour ça yo c'est avec quelle série chaque jour, on a regardé comment l'autre pays a voyé ce avec frère nous, y'a tourné. Et ça? Bien, y'a, c'est dans l'avion. Ou pas foutu, c'est dans la Dominicanie. C'est dans le bateau. En pile, c'est sous frontière. Sous frontière, à qui côté? Li pas qu'a dit la, Dominicanie, non? Li pas qu'a cité la Dominicanie dans bouche, non? Sans avé, vieux vol, les côtés. Ben pile, dis moun nan pile, bon sale, bon criminel, côté nous, non, li pas qu'a cité la Dominicanie. Li pas foutu, cité. Mais tu vois, c'est quoi, mon sale va carbon? Et mon sale kotoye. C'est ce qu'on va kabo kotoye. Et ben tout yed moun kote nouye. Ben assassin. Et nous rancé. Eh, vada du mouba yed abgeg. Oh oui, yo voye moun tourne pa bateau, pa avion, sous frontière. Mon pa ka di la Dominicani a fait déportation massive. Parce que ou même tout, ou ka l'autre boa, yo fout déporto tout, aye lo al petit soin. Andon pourri. Andon pourri, et nan ba arisid pe fourri a niso. Nan jeune ajo. Aïe, c'est crasant don. Il va cabon. Vous comprenez? Aïe, c'est crasant don. Bon, il va vivre santé. Bon, il a vu un gros impact sur les fins de grand monde. Yo, dit Aristide la Gonjalon. Yo, dit Aristide la Gonjalon. Ça va être grave. Aristide la Gonjalon, monsieur. Yo, dit Aristide la papa, men. Dans le couloir palais à l'autre. De vous dire, où est jeune garçon qui a pu rentrer sorti et à l'aise dans le palais, soit Aristide. Moi, Aristide passe jalon sou. Oui, bon, mettre Aristide dans la gueule. Il a gueule côté le pas de la gueule. Ou alba, côté, ben, citoyen ça, il est malade. Il est malade, oui. Il gagne bagay en dedans. Il gagne bagay en dedans, li, et cancer qui ça, cancer colon. Problème, hein. Il gagne pas de fête pour ça. Bon,
bah Aristide Deventreli. Il est chargé. Aristide Deventreli et c'est ça. Ça vient passer lui. Aristide Deventreli, il est venu venir au niveau côté que bien naturellement, elle a vu un gros impact, elle fin grand monde. Bon, c'est fin grand monde. Mais ça va vivre longtemps. Elle quand c'est ça de temps en temps, faut la prendre sur en Dominicaine. Là elle a pas il a le prudent. Oui. Le prudent parce que et il pas voulu pour la Dominicaine dit que ne pas bosser encore. Comprenez? Il pas voulu pour ça. Il t'a remis comme si pour le malade grave. Et puis pour le prendre avion pour le rentrer en Dominicaine et puis blip. Dominicain dit non, ou pas qu'à rentrer parce que ou pas qu'à jouer une soirée là. T'a remis au fait ça. Comprenez? T'a remis au fait le bail comme ça et puis prenez un tour navel. Il y a tout navel pour le bail et pour le réfléchir pour le dire waouh monsieur si nous déconnons de quitter l'hôpital fait dans le pays là et bien après ça blow et suspend parler comprenez mais suspend parler mais c'est ça oui c'est ça et bagalaye bon nous fin temps de Fatra Lavalas là et fin parler là ambitieux ça yo et criminel ça yo et ben justement on a parlé de dossier assassinat président Jovenel Moïse. Premier bagay que m'a dit avec tout le monde qui tande qui gade là. Et moi tande en pile monde même nek ki nan micro m'étonné. Même nek ki nan micro oui, m'étonné. Et kap attaqué ou bientôt cap critiquer Jovenel Moïse par le fait que l'al fait musique. Bon même, attendez non. Nous pensons tout le monde qui arrête avec nous. Comme si tout pour le monde fait c'est exactement ça nous voulait. Électeur trouvé pas parle. Comme si nèg la pas qu'à décider faire font bagaille qu'elle remet ou bien tout bagaille qu'elle décide faire. Nous comme ça pour nous traverser tout. Est-ce que nous attendez. Est-ce que nous en dans monde pour nous connaître qui ça l'a traversé. Est-ce que nous avons une idée de qui ça l'a passé comme jeune garçon qui t'a pas la papale. Et puis quelques heures après, il a assassiné papa, lui-même tout, pendant qu'il a quitté le pays, pendant qu'il a fait façon pour lui quitter le pays, et bien, au coup de la route, il a tiré sur la machine. Ni. Pendant que petite madame est dans la machine, comme jeune petit garçon qui est dans la vingtaine. Comme si, des fois, moi, puis quoi criminel dans le pays, man, c'est mon ami Kou, des fois, man. Franchement, elle a grave, oui, man. Autant de déclarations. On s'est dit, mon oui, je vais laisser ci, je vais laisser là. Il faut dire c'est lui qui est responsable, cadavre, crime qui fait saouler. Mais, en tout cas, mon monde qui va comprendre nous, qui a peine attendu nous, il a fait que oui, il a fait que. Mais moi-même, connais-nous bien, là, nous parle, mon qui j'aime moi-même pour moi répondre nous, et je comprends l'intervention nous. Et me dit clairement, façon que nous y a, nous sont cas spécial, vous voyez, nous sont peuple spécial, et nous décider, et pour nous faire ça, nous voulons, j'en nous voulons, après ça, nous même encore, nous allons décider de critiquer nous ça, j'en nous voulons, l'un décider. Voilà. Et, après aller, une petite intervention, ça pour nous, pendant que nous avons parlé de, mesdames, messieurs, Jovenel Moïse. Les membres du gouvernement. M'allez ça pour nous. Mettez sur écran. Mesdames, messieurs les ambassadeurs. M'allez faire nos fonds titandé. Jou même assassinat. Président Jovenel Moïse, là. Le Jovenel Moïse t'a peut-être venu. Sous crime qui passe là. Nous allons faire un petit temps d'intervention, monsieur. Voilà, on a essayé là. Jovenel Moïse. Les membres du gouvernement. Mesdames, messieurs les ambassadeurs. Parents et amis et pour eux. Mesdames, messieurs. Permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné.
dans la nuit du 6 au 7 juillet. Que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venu, certains, de très loin. Le salut à la gare de son dernier départ. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis, vous n'en reviendrez pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a décampé dans même la course. Et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a donné du courage sous lui pour te parler de papa. Il t'a mis du courage sous lui pour lui dire qui j'en ai mon papa le dit. Qui j'en ai élevé. Éducation de recevoir de lui. J'en ai dans le monde qui te travaille. J'en ai aimé et j'en ai respecté. Jodian, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est un monde qui est rempli avec l'amour. Même les gens vivent dans mes temps méchants. Voilà. Papa m'a un modèle pour chaque grain de monde. Papa m'a honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché tête ensemble, même s'il t'a vécu dans la traite. Il était une compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président Pamout. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la haine. C'est un président qui a vécu pour le peuple et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais, je te connais faire nous, papa, des fois, dans mon tyran. Je te connais faire nous, dans mon méchant, dans mon jab. Je te dépense un peu comme ça. Mais moi, je connais tout que, le matin 7 juillet, j'ai papa me fermé. J'ai pas noté le ouvrir. Nous, bien clair, qu'on est. Alors, c'est ça que fait notre ciel de l'enjeu, nous. Je vais mettre des garçons et des femmes sur nous. Oui. Pour nous honorer la mémoire leader nous dans chaque action que nous posons. Les gens qui ont un accent, c'est des choses qui sont fragiles. Je dis on là, des gens disparaissent. Mais on l'idée qui est simple, mais elle est éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtien. Tout Haïtien doit avoir le même droit. Haïti va être douce pour un petit monde seulement, mais douce pour tout le monde. Paola.
Quand ça m'a dit, n'est qui assassiné Jovenel Moïse, mais avec qui est-ce en affaire? Mais qui ça Jovenel qui était derrière? En pile là, nous jeunes, qui impliqués dans tout Jovenel Moïse. Mais qui ça Jovenel Moïse qui était derrière? Nous pensons qu'à tout? Bon, sans avis. Nous pensons qu'à tout? Eh bien, mais qui ça Jovenel Moïse qui était comme petit? Mais yon là-dedans. Ça, c'est jour même. Il va le mettre Jovenel Moïse en bataille, tirer ce cadavre, tirer ce corps de fin crasé. Et joue ça. Après nous finir faire qualité désastre ça, qualité crime ça, sous président. Mes petits qui t'as parlé, à me reprendre parole ça. Éternel, nous capables, Haïti pour Haïtien, tout Haïtien doit y même droit. Haïti va louer douce pour un petit bâtiment seulement, mais louer douce pour tout le monde. C'était l'idée ça, yo. C'est l'idée ça, yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, yo, yo assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissant, parce que n'importe qui. L'idée continue à vivre et continue à grandir. Même les larmes ne pas. L'idée est éternelle si vous prenez racine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois que vous assassinez le président. Vous déracinez papa. Et pourtant, Jean y a dit on n'a pas jamais changé. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur que nous fait plus que deux siècles à faire. Nous allons goûter, c'est vrai, nous allons goûter. Mais il faut que nous goûtions avec sagesse. Ce n'est pas avec violence pour nous. Nous allons goûter, oui, nous allons goûter. Mais nous allons goûter avec toute tête, nous, pas avec les amis maintenant. Moi, c'est que chaque action, nous, chaque décision nous prend, continue à honorer mémoire président, son excellence Jovenel Moïse. Merci en pile. C'était Jovenel Moïse. Moi, aller ça, c'est pour mettre pour mon moi qui a critiqué Jovenel Moïse, qui c'est pour un petit garçon président Jovenel Moïse. Je dis, hein, qui rentre dans le domaine fait musique, qui était toujours gain idée, mais qui décide de faire. Mais pendant la faire là tout, c'est pas ça que fait notre critique, c'est parce qu'il n'a pas de contrôle. Nous pas à la dérive dans la communauté pas nous pour nous passer l'embêtise, pour nous dire n'importe bagaille. Nous dit toute qualité parole de eux jusqu'à ce que nous trouvions pas mal. Je dis à ces lignes, on veut critiquer. Nous pas une possibilité pour nous dire quel candidat, parce qu'il dit nous le pape candidat, le pape, il va nous parler comme ça. Mais il dit où? Fok papa le jeune justice et la goumé pour ça, n'importe qui j'en fok papa le jeune justice. Nous, père famille ça, nous sommes une famille qui bien formée. Jovenel te prépare petit li. Et lui comprenne effectivement comment nous touye papa. Et lui compte tout le monde qui touye papa. Nous être préparé quoi nous? Préparé testament nous parce que nous tout a mourir. Bonne sans ave. Fait toute qualité de crime dans le pays. Et puis nous pensons que. Faut tout le monde camper au fin peur nous là le fin nous fin assassiner nos présidents dans conditions pareilles et puis nous penser faut tout le monde camper à regarder nous comme si sans blague lié. Mais la vie t'a trop facile mon cher, la vie t'a trop facile. Nous fait crime ça sur un chef d'état ou un Abdoulaye Diallo et puis tout nèg penser que son bail qui normal. On va aller président Jovenel Moïse pour nous et nous fait crime ça sur un président nèg fantôme 69 et vous comprenez. Nèg fantôme 69 fait crime ça, nous pensons que faut que toute société a campé à garder tout criminel yo, qui prend plaisir yo, on t'a même violent menacer moun et fait tout cas de bagarre puis nous pensons faut moun peur non, moun tout moun bagarre, moun pas ka peur non. Yo pas ka peur non. Vous comprenez? Yo pas ka peur non. Jovenel Moïse te comprendre situation. Il te parle avec peuple ça. Nous tuer c'est parce qu'il t'a parlé courant. Nous tuer pour ça. Nous fait crime dans soulé.
Il m'a dit non. Tôt ou tard. Yon jour qu'aujourd'hui, y'a, n'a payé pour ça. Nous prenons le temps de Jomo Moïse. Bonjour. Ok. Et criminel, y'a peut-être saisi, mais m'a fait nous tendre, président peuple là, qui c'est président Jovenel Moïse. Ok. Et là, il a participé dans une émission, dans la radio, éclair avec Louko Désir, président Jovenel. Donc, je dis en comme président de la République, le pays va mal, le pays n'est pas en santé. Je dis comme président, et ou pas le fini mandat, qui pays ou t'es espéré quitter? Bon, question avant me dire que c'est presque une question que moi-même posé tête tout le temps. Pour me dire que Haïti, que nous tous rêvons, d'ailleurs, moi-même, personnellement, je rêve, son Haïti côté, pays allumé net, côté gain courant tout côté, côté gain sécurité tout côté, côté manger, qui a produit dans toute plaine qui vient dans le pays, et côté économie, nous avons bien marché, ça y dit, indice macroéconomique qui est rouge aujourd'hui, c'est pas de ça que tu as bien. C'est rêve pas nous, mais c'est pas tout ça que Jean Ouéa nous souhaitait, c'est qu'on s'en a quitté. Mais en fait, ça qui est important aujourd'hui, hein, c'est arriver à mettre mais pour que mon gars vienne après nous, les gars joignent quand même en côté, en route, ça veut dire on wagon sur mon rail, côté le calmené pays à mon port. Est-ce que de l'heure où prend en fonction, aujourd'hui, est-ce qu'on regret? Mon cher Abdi, le regret, est-ce que je me dis non? Ça veut dire que c'est son charge qui l'eau. Sur le bagage de l'homme, je commence. L'homme était dans la campagne. Je pense que je suis le président. Et à l'homme président, je vous dis, son monde de différence à sa côté. Pensez que vous pouvez le joindre avec la réalité qu'on va vivre aujourd'hui. Mais regret, je dis que. Je ne voulais pas parler de regret, je ne voulais parler de constat, peut-être, que je fais. Sur, par exemple, comment je comprends que la politique est supposée, côté tout le monde qui a fait politique est supposé mettre la tête ensemble. Ou qui a critiqué le monde, ou qui a critiqué ça, monde n'a fait, même. Ce n'est pas détruire le monde, c'est pas détruire le monde directement. Mais ouais, qui ça, monde n'a fait, pour parler de lui, regret qu'on parle encore, même balot de constat que me fait, pas de comprendre que c'était aussi dur que le monde décide de faire route et bien de l'autre groupe qui décide de faire l'autre route, parler de par exemple pays loc, moi ouais que qui a qui violence que il y a des groupes qui quimbé en direction côté moi-même c'est pas direction PAM. Et côté jusqu'à présent, son bataillier pour aller dans l'autre direction. Moi, je ne peux pas considérer ça comme. Mais c'est des constats que je fais qui fait que. Et c'est des corrections qui viennent pour porter notre travail difficile qui vient pour faire dans le pays. Très bien. Ok, vu que là, nous avons plusieurs points pour nous voir matin ensemble, bien que nous connaissons que nous ne devons pas camper le temps, mais nous allons faire maximum d'efforts pour nous capables de garder un maximum de points qui ont rapport justement donc, à la réalité, à l'actualité. Et vu que nous avons une question politique, yo, je dis, est-ce que nous avons dit que le président Jovenel Moïse est confortable politiquement? Et vu que pas gagné manifestation à même rythme là encore, et pas gagné des manifestations qui réussissent même gens en fait en 2019 dans quatre pays loc, et je dis, est-ce qu'on a dit qu'on est confortable politiquement? C'est m'da capable de camper comme président, m'da dit dans une situation ça. Confortable, nous sommes irresponsables. D'ailleurs, c'est pas j'aime ça, n'a pas cherché, nous pas cherché. C'est pas en fait le pas de manifestation dans le pays et puis vous dites tout va bien. Ça qui est important aujourd'hui, hein, c'est que au niveau de compréhension que la population commence à gagner avec des réformes qui sont difficiles que nous avons commencé, nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas de gens ça fait tout le temps. C'est que ici en Haïti, des bons mondes réfléchis, changement, y a assassiné. Ils ont couru d'elle, ils ont exilé, ils ont emprisonné, ils ont lapidé. C'est-à-dire que son pays, côté, en fait, c'est ça qui fait me parler du système. Non? Très bien. Où il y a les maîtres du système, les gardiens du système, les héritiers du système, les privilégiés du système.
Moi-même, si je dis aujourd'hui, je ne sens pas que c'est son non-confort. Au contraire, c'est pour ça. Ces moments, ça me travaille plus dur. Okay. Pour me rêver, pour parler à maximum de monde que possible. Pour eux-mêmes, tout-même, j'aimerais, ouais, ça peut être. Il y a beaucoup, ouais. Mm-hmm. C'est parler avec maximum de monde que possible pour comment. Pour nous faire ouais que réforme, j'aime ce dire là son station de radio sœur, que réforme yo difficile, yo pas qu'à gagner et consensus sur. Très bien. Ça veut dire non mettez lumière non pays pas qu'à gagner consensus dans ça. Très bien. N'a fait améliorer et prix à qualité pour du pétrolier ramené dans nos pays pas qu'à gagner consensus la donne. Non construire route non pays pas gagner un consensus ça veut dire si me non côté me capacité puis bon marché bon moi même je dis à comme président pour volume problème route pays rien si me te cajoin on compagnie te ca dit me la bien construire tout pour nous gratis c'est ça que t'as puis bon pour nous parce que niveau situation économique pays par rapport à ça moi que nous gagnons mais nous comme problème c'est dire pour me dire comment ça y a pas de consensus sur c'est des réformes qui extrêmement difficiles mais constat que me fait c'est sous qu'on entre consensus politique que m'a cherché et consensus dans niveau ça yo lié même pas de moel. Nous ça dit que turbulence politique yo lié avec réforme yo. Sûr. Yo c'est un coup c'est mal ça. Mais je dis faut me dire que population plus ou moins commencer peut-être ouais ou bien comprendre. Des résultats que certaines réformes commencent à bailler parce que réforme n'a pas oublié c'est un coup son jardin qu'on a fait. L'eau plantée, c'est pas tout ça ou récolter. Et parfois, tout, si le soleil peut peser ou arriver à perdre du jardin ou faire, ça veut dire que nous devons rentrer dans la rubrique réforme ça et puis pouvoir tomber. Bien. Mais c'est son courage pour rien, pour dire mais c'est là pour aller. Mais c'est pour ça nous quimber parce que nous connaissons que c'est clair, c'est là. Oui, mais en fait, dans la bataille pour réformer et de l'opinion, il y a des gens qui croient que son chasse aux sorcières. Et que il y a des secteurs que on a casé et au profit d'un autre, il y a monde qui pense que on pas encourager donc l'entrepreneuriat pratiquement dans le pays là et ça pas arriver tout. Si vous n'encouragez ça moi là, c'est lui qui entrepreneuriat, l'on nèg plogon plog. Son imprimante qui pas prend papier, pas prend lac. Ça veut dire qui paper laisse qui inclès. Yo et puis imprimante ça a imprimé mon grand bail l'argent. Voile dans poche, on seule catégorie monde. Si c'est entrepreneuriat ça pour m'encourager. M'a toujours découragé et m'a demandé président qui vient après m'en continue de décourager. Parce que entrepreneuriat ça yo c'est pauvreté que yo bail entrepreneuriat ça yo c'est courir yo fait que peuple courir derrière dirigeant politique. Entrepreneuriat ça yo pas permettre ou bail résultat parce que c'est des entrepreneuriat l'encourager yo qui remplacer l'état et l'état dans mission il est là pour bail service OK il est là pour créer bien-être à majorité a. À son bien-être collectif. Elle dit si jodi un constat que me faire dans type d'entrepreneuriat ça n'a pas là c'est ça le pote c'est misère c'est sous-développement c'est insécurité c'est grand coup lui même n'a pas découragé et n'a pas découragé jusqu'à ce que dernier jour nous rien pour nous faire. Alors en fait Haïti t'as c'est ça son pays piégé. Ah mais c'est pris en otage quand même quelque part. L'état est capturé frère. C'est pas en question de moi même jodi c'est moi qui c'est plus gros témoin que là pour dire pas personne qui a dit il passe pas demande dans l'état est capturé il est capturé pour une catégorie de monde qui comprennent parfois pas même capable faire différence entre monde et l'état ça veut dire son gros problème ça veut dire ou donc c'est tout ton système c'est tout ton machine qui bien huilé que jodi a chercher mais à mettre un petit sucre là dedans mais n'y a pas problème là le sucre là dans moteur parce que moteur ça faut écraser sans dire écraser moteur alors faut moteur écraser si ne pas écraser moteur ça pour recommencer. Parce que moteur ça l'a mené pays à nous quatre bombes parce que c'est pas possible pour 4-5 monde OK monopoliser des ressources qui t'a disponible pour 10-12 millions de monde. Président son gros d'état sont fait là. Mais c'est pas possible pour 4-5 monde monopoliser ressources qui pour 11-12 millions. Son gros d'état son président. Ah mais c'est sûr. Alors pas attendre Bobo Cloche là. alors pas attendre de déclaration. Ça non, j'aime dire que vous décidez de faire business. Ça veut dire, on moun nan sens sa te supporte m'nan campagne. M'pa kanken problème pour moun sa. Mais l'on nèg te comprenne ou te supporte m'nan campagne. C'est parce que vous avez un contrat malachon pour m'te gérer pour vous. Coupez-moi.
Ah bon? Très bien. Aïe, monsieur. Madame, monsieur, pas oublier que nous avons reçu le président Jovenel Moïse à l'émission Matin Débat. Raison assassinat Jovenel Moïse, mes amis, entendez. Intervention ça, émission ça, que nous avons salué l'équipe Matin Débat, crédit, ou le co-désir, et Zahui César, puis Matin à tout, avec Teguin Josué, tout que nous attendons encore. Bonne barre qu'on est côté lié. Et, radio est clair. Maintenant, président Jovenel Moïse, 1, 2, 3, 4. Après moi, dans qui soit quitté concrètement en termes de réforme. M'a quitté pays à électrifier. M'a quitté en Safoule. M'a quitté barrage irrigation Marion. M'a quitté construction barrage dans la tannerie. Actuellement là, n'a metté maintenant dans massacre barrage massacre dans le massacre. N'a quitté construction route hinche barrière battant. Elle dit hier me prend engagement devant moun dondon et ministre travaux publics là pas hier avant hier. Ministre travaux publics entend ensemble avec nous. Nous prend engagement devant moun dondon et gien petit pont. On petit pont en bois là tout me descend là dans visiter que ministre là et mal visité pont qui gagne dans et direction départementale l'ouest parce que me croit que ministre là mettez mon courant ça gagne 5 mois nous recevoir des plateformes de la Banque mondiale c'est près de 500 mètres linéaires plus de 500 mètres linéaires ça veut dire c'est coteau qui a fait plusieurs pour dans pays là n'a quitté et parler de électrification n'a quitté plus de 15 000 hectares bousés avec des systèmes solaires. Avec dit, il ne faut pas oublier que le pays a un soleil à gogo, mais malheureusement, nous n'avons jamais utilisé le soleil là pour nous bousser. Nous-mêmes, c'est ça qu'on a fait. La caille pour le coup, dans pleine Gonaïve. D'ailleurs, nous avons passé ça y a peut-être un mois. Même si nous avons tourné en 20-31 décembre, il faut que toute pompe qui marchait au diesel dans pleine Gonaïve, ça veut dire que nous avons environ 39, mais nous avons que yo dim que zone yo tellement yo construit ça veut dire zone yo pollué il y a 32 systèmes qui prêt pour prendre ce système d'irrigation solaire mandé pour yo mettre système d'irrigation solaire dans tout quoi que la bid ben nous on coûte main dans sens ça pour financer près de 29 et nous même nous avons financé peut-être 3 ou 4 dans pleine très bien courant 24 sur 24 quelques petites précisions et où en est-on jodi an nou nan an par exemple alors n'a dit madame monsieur nous même matin débat nous constater qu'il y a plusieurs côtés qui pas de courant et par exemple marchand des salines donc qui pas de courant donc des courants et 18 heures par jour gain Jérémy qui pas de courant gain courant 18 heures par jour petit trou de nip et petit trou de nip donc courant 24 sur 24 sont réalité que la pied li pa gain nous pas même choix fier pire nous lié nous nan 21e siècle nous nan nous non le monde li vit nos villages jodi c'est-à-dire Haïti, dans 43 millions de personnes qui vivent dans les Caraïbes, il y a 9 millions qui n'ont pas de courant. Dans les Caraïbes, total, il y a 7 millions en Haïti. Comment vous acceptez ça? C'est inacceptable. C'est-à-dire que je ne crois pas que vous avez parlé de choix, que le président a parlé de promesses. C'est pas. Faut que le pays ait un courant. C'est-à-dire que moi-même, en vent, c'est pour payer le courant 24 heures sur 24. Je vais dire, mettez-le dans le dos. Vous avez 24 heures sur 24 heures? Min business. Soit dit le président. Jamais. Ou pas peur pour passer comme un menteur, président? Bon, me dis nous, c'est courage au monde, c'est pour faire compte qui est au vle, qui est au palais. Jodia, conviction, pam, mais quoi que pays ça, mettez courant la donne, son obligation, d'ailleurs, son justice sociale. Li. Donc, ou même sous ça, avant de quitter le pouvoir, m'a quitté le pouvoir, courant 24 sur 24. Oui, sûr. Très bien. Parce que en fait, c'est ça pays à mérité. Ça n'est que tu, président. C'est l'île mérité pour que l'industrie développe en Haïti. C'est l'île mérité pour que le crédit baille dans le pays. Parce que pourquoi ça crédit baka, moun baka jouen crédit. C'est parce que base yo, yo pa gen yo. L'on moun al prêton kop, par exemple, jodi, pour le tafon usine, on dit pour le faire, yon abattoir. Bien l'autre moun yo même qui produit poule. Par exemple, on bon, abattoir à côté pour abattre poulet et autres pour vendre. Et pour les par un morceau. Mais premier ça pour gagner c'est courant. Oui. Mais si il y a-t-il pas un courant comme moun n'a pas le produit courant, la produit courant à 32 centimes, 35 centimes. Là n'a pas les fok l'aime dit courant. Faut courant de qualité et faut prix respecter tout. Ça veut dire dans l'industrie par exemple, faut moun qui parle gagner courant dans l'industrie, faut qu'a un prix côté ou capable qui compétitif par rapport à l'autre pays qui vient dans la Caraïbe là. Très bien. Alors le président a parlé de question courant 24 24 là et il y a un débat qui a fait dans la société. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas un débat là-dedans. C'est la question du 7 février 2021. La question amendée lui-même dans son article 134.2, lui dit un bagaille et loi électorale là dit un autre bagaille. Comment sent tu président 7 février 2021, est-ce qu'on a toujours un débat là? En nous faisons un calcul arithmétique, nous n'avons pas besoin de mathématiques, d'addition.
ou bien soustraction. Et en soustraction. Très bien. Mandat en président, sa constitution dit. Ou posez une question, je vais répondre. Qui dure le mandat en président? 5 ans. Ah bon, ok. En fonti soustraction. Ou bien, bon. En fonti arithmétique. Allez-y. 7 février 2017. Ok. En fond addition. Rivé 7 février 2021, ça fait qu'on combat en élevé. 5 ans. Je pose une question. Nous partons de logique. Avant 4 ans. Ça fait 4 ans. Nous partons de logique. Article 134, prenez-le. Mais, sans question, attendez. Je pose une question pour répondre moi simple. Ou parlez-moi d'article 134, prenez-le. Nous retournons là-dedans. Eh bien, ça veut dire. Ça veut dire. Si pouvoir me déprend le 7 février 2017, rivé 7 février 2021, mon dit que c'est 5 ans que je fais ce pouvoir, je vais au même moment. De pour montrer que je fais 5 ans. Mais si c'est 4 ans que je fais, ce bail qui est simple, moi-même, son grand bail, je vais faire, c'est ce que je vais faire. C'est le résultat que je vais faire. Ça veut dire, pour que le monsieur, dame, qui veut venir diriger le pays, il y a autant d'élections faites, il y a une élection, il y a gagné même, j'avais, laisse moi-même me féliciter, je vais au lendemain, ok? Maintenant, la transition, parce que toujours il y a transition. Je ne sais pas de quelle transition qu'on parle. Toujours il y a transition. Transition de le président élu à le président lui remettre pouvoir. Son transition, lui. Le ça, conseil de dossier d'État pour passer par un nouveau président. C'est un coup moi-même, je n'ai pas pouvoir. Dossier d'État, yo. Par exemple, courant, c'était Yon. Le président qui était là. Ben, c'est sûr. C'est son dossier d'État. Avec dit, en fait. Oui, mais quand la transition du président, le président tombé, les manifestations, il force le président à aller, quand il y a l'autre gouvernement de transition qui vient. Mais c'est ça, Mdou. Oui. Si c'est dans l'instabilité politique, nous voulons être net à pays, parce que nous-mêmes, pas oublier, pays à tout, en grande partie, pour ne pas dire n'importe 60-70%, nous-mêmes, la presse, pays à ce n'est pas nous, c'est nous qui contrôlons. Il y a créé ce pays. C'est un pays. Si au pays, je dis, nous voulons prendre pour aller avec lui. Non côté qui est le Katouboumbe. Katouboumbe a pour jamais le contrat. Transition, la transition, c'est Katouboumbe. Il est parce que là tout nèg fait l'argent. Ouais, c'est l'argent. C'est là qu'a fait la kounia. D'ailleurs, nèg yo dou ça. Je nage dans des eaux troublées. Ça veut dire le nèg la dou l'a nager en eau trouble. Ça veut dire ça veut dire. Très bien. Ça veut dire c'est des moun, c'est leur transition, c'est leur ça lui même pour le faire. Burly pour un contrat passé avec deux feuilles papier parce que moi-même mon contrat que moi pas besoin répéter là parce que peuple là m'pas la mettre peuple en face personne les mandé contrat me fait un bagage de contrat.